Est-ce que Carnaval a fait la même date? Ça t'a demandé que implication société pour t'autoriser pour un liquide paper pour m'effacer l'agenda 23, 24 et 25 février. Ça, c'est un rendez-vous, même genre 18 mai, même genre à 25 décembre, même genre vendredi saint. Donc, 23, 24, 25 février, ces mêmes dates-là. Deuxième volet, question, est-ce qu'il y a bien sécurité pour s'en reconstruire? Oui, c'est ça, nous sommes ouais, avec la police là. Et c'est pour des sortes de présence pour la première fois pendant que moi-même, moi, c'est chef CSPN, présence, responsable IDMO et responsable SIMO et responsable tout commissariat Port-au-Prince qui gagne responsabilité sécurité dans la zone champ de masse là. T'es quand un gros fond qui est débloqué, vous faites apprendre ça là. Et vous faites apprendre ça là, mais m'a dit vous, depuis que le président Jovenel, le président PIA, gagne l'autre orientation qui baille dans les affaires création, infrastructure dans les affaires carnaval. Effectivement, dans le temps, l'État, pas permettre de faire une historique, parce qu'il y a longtemps dans les affaires carnaval. Longtemps, longtemps, c'est mairie Port-au-Prince qui était qu'on louait espace là et locataires ça eux-mêmes venir construire Stangio. Après, ils viennent changer. C'est l'État qui vient construire Stangio et louer après. Après un pile enquête, après un pile analyse, nous rendons compte que façon ça n'est pas bon pour l'État. Parce que non seulement Stangio plein monde, ça t'a expliqué que l'État a gagné un business dans les affaires Stang, mais l'on a regardé dans le rapport financier, où l'État rentre comme ses dettes est obligé à payer pour affaires Stang. Et depuis tantôt 3 ans, nous changeons les bagailles là, les gens qui sont intéressés dans Stang, payer Stang avant qu'ils reconstruisent le bourg. Dans ce sens-là, l'État rentrait un petit pourcentage dans ça. Donc, c'est payer Stang pour y construire Stang. Stang ça, yo, qui boulait yo, c'était investissement secteur privé et des entreprises de l'État qui eux-mêmes étaient gantant prendre devant pour y faire construire Stangio. Mais, ça qui passe là, il faut noter, c'est un acte d'insécurité publique. Moi, je pense que l'État a un engagement et responsabilité pour le prendre ça. L'État, le gouvernement a fonctionné sur un budget qui reconduit. Le premier ministre a parlé des cadres budgétaires. Il était voulu parler d'un budget rectificatif. Donc, j'aimerais dire déjà, et budget rectificatif, ça, il me sort dire tout à l'heure, ça m'a dit engagement, un gouvernement de consensus. On parlait de budget carnaval et coutelier. Année ça, exceptionnellement, non plus intéressé, travail dans les affaires budget carnaval sous réalité, pas sous prévision. C'est ça que je me suis dit. Nous travaillons déjà sur 3 axes qui sont déterminants dans les affaires carnaval. Moi, je veux parler de artistique, moi, je veux parler de sonorisation. Et moi, je voulais parler tout de char allégorique. Donc,
réalité pour trois axes non exactement entre 80 et 100 millions de gouttes. Artistique qui regroupait bandes déguisées, défilés artistiques, chats allégoriques, gestion renéwa et puis toute sonorisation. Nous connaissons qui sont mon gros morceau dans les affaires carnaval. Donc, nous étions là, et jeudi, bon, hier après-midi, effectivement, pour nous agir dans l'axe logistique là, qui lui-même a impliqué les dépenses de services dans les affaires sécurité, urgence et secours, protection civile.